La plupart du temps, quand on s'aime et qu'on a 20 ans, ce n'est jamais pour de l'argent. Les jeunes filles se disent en rêvant, ça m'est égal qu'il ait de l'argent. Ce que je veux seulement, c'est qu'il soit grand, qu'il ait un sourire éclatant, un nez, une bouche, des yeux, des dents, et puis le reste, évidemment. Mais enfin, la plupart du temps, quand on s'aime et qu'on a 20 ans, ce n'est jamais pour de l'argent. La plupart du temps, quand on s'aime vers les 37 ans, ce n'est pas toujours pour de l'argent. Mais on y pense, évidemment. On pense à l'avenir, aux enfants, à la voiture, à l'habillement, aux sorties, au bon restaurant. Avec madame, avec ou sans. Mais enfin, la plupart du temps, quand on s'aime vers les 37 ans, ce n'est pas toujours pour de l'argent. La plupart du temps, quand on s'aime vers les 57 ans, ce n'est pas forcément pour de l'argent. Mais on se renseigne un peu avant. Vous avez un appartement? Non. Des draps, des petits, des grands? Un peu de vaisselle en argent avec quelque chose pour mettre dedans? Et votre vieil oncle, il va... Comment? Mais enfin, la plupart du temps, quand on s'aime vers les 57 ans, ce n'est pas forcément pour de l'argent. La plupart du temps, quand on s'aime vers les 80 ans, ce n'est plus pour de l'argent. Pourvu qu'on puisse, de temps en temps, s'offrir un petit divertissement, ben mon Dieu, c'est bien suffisant. Et d'ailleurs, c'est ça qui est tordant. Quand on s'aime et qu'on a 80 ans, c'est tout à fait comme à 20 ans. Ce n'est jamais pour bien longtemps.